Salut à tous, Goruchika pour l'épisode 2 de ce Let's Play sur Rogue 3.6.3. C'est parti. J'étais au niveau. C'est un gnome. J'étais au niveau 6. Et je suis niveau 6. Il m'a donné un parchemin, ce gnome. Merci. Monsieur le gnome, il n'y a rien dans cette salle. Alors, oh, pour vous dire, c'est vrai que le 3.6.3, c'est loin d'être mon préféré. Je préfère largement, j'avais faim, voilà, je préfère largement le 5.4.4, qui est plus agréable, je trouve, à jouer. Les commandes sont plus logiques, enfin, je sais pas. Puis il y a cette option de combattre jusqu'à la mort, près de la mort, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, un serpent, meurt serpent, voilà, hop. Je vais un peu vite parce que je pense pas qu'il y ait de monstres graves. Niveau 7, alors niveau 7, c'est pas. Lui, si je me souviens bien, c'est un voilà un leprechaun, je sais pas le dire, c'est pas grave, c'est un lutin là qui a du pognon tout ça, donc qui normalement, j'avais vu que voilà, il m'a piqué de l'argent, saloperie, ah, gobelin, ok, oula, il y a des passages là. Un orque là-bas. On devrait. Oh, une armure. Une armure en cuir. Intéressant. J'ai deux scrolls. Alors si j'avais un scroll d'identification au milieu de tout ça, pas du tout. Un staff et une spear. La vache. Ça me fait flipper. Alors je vais retourner dans cette salle qui est éclairée. Et on va un petit peu prendre 3 secondes pour étudier tout ça. Alors. Un petit peu la webcam histoire que on voit ma chetron parce que c'est important la chetron et le t-shirt AJKL top la classe. Donc j'ai un staff eucalyptus, j'ai ma topaz ring, je sais pas ce que c'est, et j'ai une armure, alors, et j'ai une lance. Donc on va déjà tenter de lire le dernier scroll, c'est un C. C'était un scroll de Magic Mapping. Ok, je suis ravi. Ok. Un scroll de Magic Mapping. Alors, je vais prendre la lance. By the power of Grayskull. Est-ce que ça me dit ce que c'est? Pas du tout. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais essayer de porter, donc je vais retirer mon armure et je vais porter cette leather armor en G. Voilà. Ah, c'est une plus 0 leather armor, mais. Ah oui, en AC j'ai 8 en armure classe, ce qui est plutôt bien. Est-ce que je peux enlever cette leather armor? Oui. Je peux, donc ça veut dire qu'elle n'est pas cursed. Ok. Attends. Ah, mais l'armure classe, c'est à l'envers que ça marche? Quand j'ai pas d'armure, je suis. Ah. Ouh là là. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. On va remettre la F. Non. J'ai remis la G. C'est pas grave, je le vais bien. Voilà. J'ai 6. Je vais juste vérifier pour cette armure classe là. Je comprends pas bien. Alors effectivement, l'armure classe sur cette version 3.6.3 fonctionne à l'envers. Plus le chiffre est petit, mieux c'est. Déjà, on est bien, on est bien. Donc je vais dropper cette laser armor qui me sert à rien du tout. Voilà.
Et puis je vais dropper. Bah non, c'est tout. Donc là. Oh, un snake. Oula! Ah oui, la lance, ça marche bien. J'ai l'impression. Ok. Rien. Bon, bah je. Je me casse sur Mars. Voilà. Niveau 8. Par contre, je suis toujours niveau 6. Ça m'inquiète un peu. J'ai envie de te dire. Un orc. Ah oui, elle marche bien cette lance. À mon avis, elle est pas mal. Oh! Niveau 9. Je suis tombé dans. Oh, oh là là. La dernière. J'espère qu'il n'y a pas trop de strom là. Je suis tombé dans un piège et je suis direct au niveau 9. J'ai pas pu faire le niveau 8. C'est embêtant. C'est inquiétant et en plus il n'y a pas de porte. Si, là. J'ai peur, les amis, j'ai peur. Tiens-moi la main. Non! Elle m'a pas piqué là encore cette saloperie de. Mais allez, mais meurs, putain! Oh, je l'ai vu. Bon, alors, je suis niveau 10. Je suis que niveau 6. J'ai envie de dire. Pouette. Ouais. J'ai dit pouette. Bah oui, on fait ce qu'on peut. Hein. On peut dire pouette. Bon, bref, je dis n'importe quoi. C'est pas grave, je le vis bien. Non, mais là, je commence un peu à flipper parce que deux niveaux comme ça, sans monter vraiment, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Et en plus, il y a des pièces. Oh non! 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 Allez, mais meurs! Putain! Non! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là là! Je vais demander un remboursement immédiat. Bon, alors j'ai 13 de force, 24 en HP. On va essayer de remonter un peu les HP sans se faire taper. Alors, faut bien regarder le personnage. Et dès que ça change, on se met en mode combat. Oh! Un centaure! Bon, alors une potion. Parce que le centaure, je vais jamais le battre, hein, c'est sûr. C. Ok. Ok, une autre potion. Tant pis, je bois tout, je m'en fous. It makes you feel warm all over. Oh, ça m'a remis ma force. Putain, 18. Putain. 6. Non! 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 Meurs, saloperie, meurs! Oh, purée. Bon, bah voilà. C'était pas gagné. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Et puis c'est vrai que le 3.6.3, les contrôles, franchement, je suis pas hyper client. Et puis c'est ce coup de l'armure classe à l'envers là. Je dis pas bravo. Donc je pense que sur le 3.6.3, ça sera tout. Je suis pas sûr que j'y rejoue un jour. Pour le challenge, je mettrai peut-être en route le 3.6.3, mais je suis pas sûr que ça plaise plus que ça. Je pense qu'on jouera plutôt à la 5.4.4. Elle est quand même un peu plus classe. Sur ce, merci de m'avoir regardé dans cet exploit. Petit exploit.
Et puis, jouez bien, amusez-vous bien, pensez à jouer à Rogue, c'est important, c'est Rogue. Bye bye.